Bonjour à tous, bon samedi matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue la péripétie des études des symphonies de Brahms. Comme vous le savez, c'est en préparation du 31 décembre 2020 à 13 h, où est-ce que je vais diriger toutes les symphonies de Brahms ainsi que le concerto de violon les unes à la suite des autres sur des enregistrements de Paavo Järvi avec le Kammerphilharmonie Bremen. Afin de vous donner un peu l'idée de ce qui se passe en arrière pour un chef d'orchestre dans la vie normale, lorsqu'on n'est pas devant l'orchestre, j'ai décidé de mettre une caméra pour vous montrer un peu l'étude que je fais à la maison. Et donc, aujourd'hui, on s'attaque au dernier mouvement, au quatrième mouvement de la troisième symphonie de Brahms. Hier, on a fait le premier, deuxième et troisième. Et tout dépendant de comment va la journée, c'est possible que je fasse un deuxième session de travail aussi plus tard dans la journée. Donc, sans plus tarder, voici maintenant la partition que vous voyez à l'écran. On sort les crayons et on commence. Donc, troisième symphonie de Brahms qui termine de manière un peu étrange parce que c'est la seule qui termine de manière douce. Puis, c'est une des raisons pourquoi elle est un peu moins jouée parce qu'elle termine un peu mal un concert. Il faut penser à mettre quelque chose à la fin si on veut jouer cette symphonie-là, mais elle fonctionne quand même assez bien en ouverture de concert quand même. Et donc, on a deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes en si bémol, deux bassons, un contrebasson, quatre cordes, deux trompettes, trois trombones, timbales et cordes. Ça va être un gros mouvement à regarder. En termes du nombre de mesures, du nombre de mesures, on est oups, je rentre dans le dernier mouvement. En nombre de mesures, on est autour de 300 mesures avec la fin qui est calme. Donc ça va être quand même être un gros mouvement à apprendre aujourd'hui. Donc on commence corde avec basson. Brahms aime toujours avoir une couleur qui est rajoutée aux cordes. On a vu ça. Est-ce que c'est dans le deuxième mouvement de la troisième? Non, c'était dans la première symphonie, le deuxième mouvement de la première symphonie. Ici, c'est un peu la même chose, hein? Les cordes qui commencent avec le basson. Ici, intéressant, évidemment, les violons ne peuvent pas aller aussi bas que alto et violoncelle, donc il arrête la ligne afin de ne pas changer d'octave. On va probablement être en deux pour ce mouvement-là. On va probablement être en deux pour ce mouvement-là. Donc j'allais écrire le passage ici de alto et violoncelle qui commence un peu la rythmique. Toi. Et le thème qui est maintenant pris à la flûte et la clarinette. Les contrebasses qui viennent rejoindre en arco. Violoncelle et trombone pour la prochaine page.
Donc, violoncelle et trombone. Première entrée pour les trombones. Petite entrée de flûte ici. Gros crescendo dans les trombones ici pour dans ce début. Tom, top, tom. Oh! Première entrée de contrebasson. Et pour les corps également. Donc ici, corps et ici, contrebasson. Et je pense que ça fait le tour des nouveaux instruments jusqu'à la trompette qui est ici. Première entrée de hautbois. Évidemment, la vitesse, le rythme dans les violons 2 était aussi important pour donner de l'énergie à ce passage-là. Oh! Avec l'entrée de trompette, il y a aussi l'entrée de timbale, un peu comme dans Beethoven, hein? Trompette. Donc, prochain thème ici assez qui est probablement le deuxième thème. Corps, cello. C'est probablement le deuxième thème dans ce quatrième mouvement. Deuxième thème. Avec une petite réponse ici dans les bassons. Évidemment, violon 1 et alto qui rajoutent beaucoup de rythme à ce passage-là. Violon 2 qui prennent la place des violons 1. C'est intéressant pourquoi, c'est intriguant pourquoi il n'a pas donné toute cette section-là au violon 2 en fait, hein? Entrée de trombone, ensuite. Sous
soutenu par les altos. Point, entrée de trompette avec timbale ensuite. Trompette avec timbale. Donc, alto, violoncelle. Ici, le contre-rythme est fait au corps. Haute entrée de timbale ici. Timbale. Contrebasson a joué presque pendant tout ce passage-là, ce qui est rare. Mais je pourrais quand même écrire son entrée. Si c'est un passage très dur pour l'accompagnement, basson, cor et cello. Et suivi par un beau passage de vent qui est aussitôt arrêté par les cellos et basses ensuite. Hautbois et clarinette. Quelques petites entrées dans ce coin-ci, mais rien de vraiment majeur. Ah, ça c'est plus important. Violon 1 et alto. Qui est une espèce de trémolo étrange. Avec l'entrée juste avant de flûte et hautbois.
Et Clarinette Basson vient de jouer, donc ça va. Violoncelle. Corps. Horn. Trompette. Accompagné par les altos ensuite. Pom, pom. Nouvelle entrée de trombone. Et contrebasson. Tom, probablement. Le premier passage de triolet pourrait être intéressant aussi. Ensuite, chacun des instruments joue pendant toute cette section-ci. Pourquoi pas un peu d'attention aux altos? C'est toujours important. Et maintenant. Tom, tom, tom. Timbale avec. Trompette. Timbale avec trompette. Ah oui, ici, il y a un changement de majeur à mineur. On parle du la bémol, donc flûte 1, hautbois 2, clarinette 2. Basson 1, corps 4, trombone 1, donc il y a quand même beaucoup de gens. Je reviens, vous reviens tout de suite.
Et nous sommes de retour à partir de la lettre K dans le quatrième mouvement de la troisième symphonie de Brahms, qui est un peu comme une qui sonne comme une récapitulation. Okay. Faudrait donc dire que cette mesure-ci, la mesure B, est le premier thème. Alors que ça ici serait une introduction. Je suis pas tout à fait convaincu, je dois avouer. Quoique ici, t'as le... C'est une bonne question. Violoncelle qu'on a partie quand même intense ici. Entrée de trompette à la mesure suivante. Cello horn. Le même petit contrechant dans le basson, mesure 196. Suivi de hautbois par la suite. Corps, trombone et finalement entrée de timbale avec trompette. Ah, cette fois-ci, c'est entre violon 2 et violoncelle. Corps. Horn. Trombone et timbale. Entrée de trompette.
Même chose qu'auparavant. Passage difficile pour basson. Contre basson, corps. Et violoncelle. Ton, 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 ton. Et maintenant, gros thème au violoncelle et contrebasse. Avant une espèce de moment calme dans cette symphonie-là, au bois, clarinette et flûte, corps, avec alto, avec mute, avec sourdine. Qui vient rendre le son de l'instrument beaucoup moins fort. Trompette, timbale. Cello. Rien vraiment à rajouter. Mais ici, c'est entrée de violon 1, violon 2. Alors qu'on arrive tranquillement à une sorte de coda. Qui est le passage final de cette symphonie. Ici, entrée de trompette, cor et hautbois. To answer Sarah's comments, this is not a shirt, this is a long sleeve t-shirt. There's no buttons here. Et ensuite, il y a thème dans les violoncelles qui est répondu à la clarinette, flûte, basson et cor avec alto. Qui revient au violoncelle ensuite. Entrée de trombone. Contrebasson qui n'avait pas joué depuis un bon bout. Contrebasson.
Ah, seule chose très intéressante à écrire, c'est ici. Violoncelle qui répond en canon un peu. Entrée de clarinette ici. Ensuite, flûte. Avec premier, deuxième corps. Thème au violoncelle. Our t-shirts too. I'm asking you, Sarah. Et ensuite, bien évidemment, la citation du début de mouvement. Ici, entrée de violoncelle doucement, entrée de alto également doucement. Timbale qui n'avait pas joué depuis très longtemps. Violon 1, violon 2. Et finalement, trombone. TBN. Et pourquoi pas, contrebasse. Voilà ce qui termine la première lecture de ce quatrième mouvement de la troisième symphonie de Brahms. Très intéressant comme œuvre. Récapitulation qui n'a pas l'air d'avoir le thème original. Un peu étrange, mais pourquoi pas. Donc maintenant, on regarde chacun des instruments un peu plus en profondeur. Et on espère trouver des choses cachées dans cette partition-là. Donc on commence avec violoncelle contrebasse. J'aime le PID ici de contrebasse qui rajoute beaucoup de choses écrites dans la partition, mais c'est presque la seule chose qu'il y a dans ces deux pages-là. Donc, ici, changement difficile entre PID et ARCO pour les violoncelles. Oh, Twitter, Sarah's question is, have you found that taking orchestration classes changes how you study pieces? Yeah, of course, it did. A lot more than I was ever expecting, actually. Knowing more about the limitations of each instrument, about the idiosyncratic way of playing the instruments, of running for inst the instruments. I understand a lot more now why things are written in a certain way and where mistakes can happen. I can troubleshoot a lot more
in advance my way of conducting because of that, if we're talking about balance issues, for example. And I understand more, a lot more about the roles of each instrument in the orchestral settings, the role of the contrabassoon, for example, which for me was just kind of like, why did you even have this in the orchestra? But now I totally see why Brahms added this instrument to expand the range, to allow to have the bass note being the correct octave. It's really interesting to see. I don't think I would be able to do something. I think I'm okay at orchestration based on the homeworks I've done, but I think I'm a better musician using the tools I learned from it than the actual task of doing orchestration. Although, if you need me to orchestrate something, I might be able to do something okay now because I have more knowledge about it. But yeah, it totally changed the way about how I imagine the sound of the orchestra from the bottom up. Especially with contrabassoon, for example, the low brass instruments. I understand more now each difference for instruments more. And I just have knowledge about like what's the limitations, what's possible and what's not possible. Yeah, that's good to know. Yeah. Très intéressant. Ça, c'est un passage qui est un peu identique à auparavant. Donc, cello, alto. Pourquoi pas les répéter? Alto, cello, précédé de violon 1 et violon 2. Cool. Même problème qu'avant. Pids vers arco pour violoncelle à cet endroit-ci. Entrée de contrebasson qui avait été oubliée par moi lors de la première lecture. Bum, bum, bum.
Et on arrive au passage final ici. Ça, c'est déjà bien indiqué. Thème est bien indiqué et finalement les dernières mesures, voilà. Super, donc première, deuxième étape terminée. Contrebasse, violoncelle, faite. On a déjà presque 40 minutes de travail faites sur ce dernier mouvement. Ça reste un mouvement qui a tellement de passion que j'ai presque juste le goût de le chanter en fait et pas d'étudier. Donc, deuxième étape de la deuxième étape. On va maintenant vers alto, violon 2 et violon 1. Vraiment rien à rajouter jusqu'à maintenant. Les autres parties ont plus besoin de mon attention que violon 1, violon 2 et alto jusqu'à présent. Il faut dire aussi que dans les mouvements, un peu comme celui-là, les mouvements intenses avec beaucoup d'instruments, généralement l'écriture est plus simple et plus carrée. Et donc, il y a un peu moins de travail à faire de placement précis de chacune des parties. Et donc, ça arrive souvent qu'un petit peu moins à écrire dans ces mouvements-là, parce que ça va être écrit beaucoup en bloc. Les bois rentrent, les cordes rentrent. Donc ça m'étonne un peu pas beaucoup que. Ça m'étonne pas beaucoup que j'ai moins écrit en fait. La mélodie va tout le temps rester à la mélodie. Ah ici, l'alto vient rejoindre les violons. Peu intéressant. Je vais écrire violon 1 ici et je pense que je vais enlever le violon 1 de la deuxième fois et que je vais aller me concentrer pour les violons 2. Toujours agréable d'avoir des crayons qui s'effacent, même si c'est un stylo. Encore une fois, rien vraiment à rajouter. Pourquoi pas violon 2 ici, un rôle très important au niveau du rythme.
Encore une fois, ici, échange entre violon 2 et violoncelle. Déjà des choses plus importantes qui ont été notées dans d'autres instruments. Donc, je ne veux pas écrire trop dans ma partition. Parfait. Donc, deuxième étape, alto, violon 2, violon 1, terminé. Donc, j'espère que votre samedi matin se passe bien. On s'attaque maintenant à la table suivante. Trompette, trombone et timbale. Je serais surpris en fait si j'ai manqué une intervention des instruments de ces instruments. Pourquoi pas rajouter timbale ici? Timbale. Trombone est déjà faite. Trombone est déjà faite. Ça, c'est bon pour timbales et trompettes. Même chose ici. Trompette est correcte. Trompette est entrée ici. Tout est bon. Bonne. Trombone et trompette sont déjà écrits. Oh, timbale, une note de timbale, quoique. Pourquoi pas? C'est quelque chose qui donne du pouvoir à un premier temps. Ça, c'est bon. Ça, c'était fait pour la timbale, la trompette. La trompette est réécrite ici. Trombone est bien écrit. Entrée de trompette. Ça va prendre la peine de la réécrire. Timbales et trombone à la fin. Tout est fait déjà. Donc, timbales, terminé. Trombone fait trompette également. Maintenant, la partie de corps, qui est toujours un moment intéressant, qui regroupe beaucoup de choses par rapport à l'harmonie rythmique. Un beau soutien vers les autres les autres sections.
Bois, cuivre et corde, tout le monde. Donc il ne joue pas au début. Première entrée écrite. Ah oui, avec la timbale, je pense que ça vaut la peine de rajouter des accords ici. Corps. Voilà. T'as tout le temps le rythme important ici. Corps, une autre fois. Basson corps pour la fin de cette section-ci. Rien à rajouter vraiment pour cette section-ci. Les corps jouent énormément pendant toutes les symphonies tout le temps. Comme ils accompagnent tout le monde. Ah, ici, deuxième corps. Donc, il y a généralement un petit peu moins écrit dans les sections de corps parce qu'ils sont tout le temps en train de jouer. Donc, mais s'il y a des lignes mélodiques à faire ressortir, c'est toujours intéressant de regarder les contrechants qui sont généralement écrits dans les sections de corps. Même chose de rythme ici. Oui, ça, c'est la chose que j'avais écrit tantôt et que je vais rajouter ici. Quoique la première fois, c'était... J'avais divisé en deux. Intéressant. À revoir peut-être. Même chose avec corps 3-4 cette fois-ci. Ligne de corps suivie par l'entrée de trombone.
Ici, corps 1 et 2 qui n'avaient pas joué depuis un petit moment. Donc, terminé pour la partie de corps de ce quatrième mouvement de la troisième de Brahms. Et maintenant, deux dernières étapes, contrebasson, basson et clarinette, suivi par hautbois, flûte. Contrebasson, première entrance ici, première entrée. Rien à rajouter, je crois. Passons. Pourquoi pas? Ah oui, c'est ça. Les autres fois, il y a le corps 2 qui vient faire le contrechamp, mais ici, ce n'est seulement que basson. Pour l'instant, pas de contrebasson, mais son entrée elle est bien indiquée déjà. Ici, évidemment, le contrechamp de violoncelle qui est doublé au basson 1, contrebasson, basson et contrebasson. Donc, le plus de contrebasson présentement, donc la prochaine entrée sera importante à donner. Pourquoi pas clarinette et violon 1, violon alto est écrit déjà. Contre clarinette et basson ici. Contre basson, bien écrit comme entrée. Clarinette, basson, contrebasson, rien vraiment à rajouter. Ça ici, c'est intéressant. Contrebasson avec contrebasse ici. Entrée de clarinette et flûte. J'ai l'impression que ce n'est pas si important. Ah, c'est toujours on va le laisser, mais je suis pas certain. Il y avait déjà beaucoup de choses écrites dans la partition pour cette mesure-là, donc
Ça, c'est bon. Clarinette basson. Un semblant de thème ici. Plus de contrebasson, probablement pour un petit bout. Entrée de clarinette, encore entrée de contrebasson. Tout est bon. Ici avec les violoncelles. Oh, pour la dernière note, retour du contrebasson. Donc, dernière étape. Contrebasson, basson. Dernière étape au bois et flûte. Au bois flûte. Donc, flûte, c'est bon. Première entrée au bois est écrite. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Rien à rajouter pour l'instant. Très peu à rajouter. Comme c'est un instrument qui a beaucoup la mélodie, alors sont capables de s'arranger tout seul un peu quand même. Ça ici, ça reste à confirmer. Toutes les entrées sont bien écrites. Peut-être que ceci pourrait être ajouté. Au bois, ça c'est bon. Flûte. Flûte, c'est bon. Et on arrive à la fin. Terminé pour hautbois flûte de ce quatrième mouvement de la troisième symphonie de Brahms. Donc, merci encore d'avoir été avec moi ce matin pour le quatrième mouvement de la troisième symphonie de Brahms. Je me prépare en vue du 31 décembre 2020 à 13 h, où est-ce que je vais diriger toutes les symphonies de Brahms ainsi que le concerto de violon. Lors d'une émission spéciale où est-ce que je vais diriger l'orchestre de Kammerphilharmonie Bremen dirigé par Paavo Järvi. Et j'espère que vous pourrez être avec moi lors de cette journée-là. Et en préparation, ben, j'ai décidé de montrer un peu l'arrière-scène d'un chef d'orchestre à la maison avec son bureau et sa partition. Et donc, j'espère que vous appréciez un peu. D'avoir quelqu'un pour travailler avec vous si vous êtes en train de travailler en ce samedi matin. Donc, j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Probablement que je vais faire une deuxième partie de travail un peu plus tard aujourd'hui. Très probablement, en fait, aussi parce que
Le premier mouvement de la quatrième symphonie de Brahms, j'ai déjà travaillé et donc c'est très possible que je retravaille le deuxième et troisième mouvement que je n'avais jamais regardé encore. Donc peut-être à plus tard aujourd'hui. Bonne journée.